Jean, t'es annoncé dans début émission, eh ben, nous gagnons un plaisir encore une fois et pour nous recevoir sous plateau nous et Madame Charnette Frédéric, n'a pas rappelé qui c'est présidente organisation SILA qui a regroupé ensemble des élus des États-Unis qui gagnent un peu là-dedans pour la plupart, du moins toutes qui gagnent originaux dans le pays d'Haïti, eh bien, nous avons gagné un représentant à travers près de 18 states, si je ne me trompe pas, si je me trompe, Madame Frédéric a corrigé moi tout à l'heure. Eh bien, nous avons plaisir là avec, pour nous parler avec lui sur des sujets et nous allons passer là 8 minutes, 8 bonnes minutes avec Madame Frédéric. Et d'abord, en aller. Et avec sujet n'a pas pour nous débattre avec lui vendredi qui s'est passé là et alors hier premier ministre de facto Ariel Henry lui dans intervention lui dans Nations Unies sous tribune Nations Unies eh ben lui mandé encore lui mandé continuer mandé support international là pour combattre violence qui a gangrené pays a dans un aspect crise plusieurs dimensions qui affectait pays d'Haïti. Ariel Henry Lydie n'a cité c'est peut-être ça conseil sécurité a qui gagnait pouvoir et puis qui gagnait autorité nécessaire d'après chapitre 7 charte Nations Unies les ben Nations Unies doit prendre action urgente non autorisé déploiement yon mission support multinational pour capable soutenir sécurité à nan pays d'Haïti. Eh bien, monsieur Henry li a mandé haïtien yo alors li dit li mandé haïtien yo qui c'est là yo qui nan pays d'Haïti et c'est là yo qui nan diaspora pour yo capable mettre main ensemble. D'ailleurs li dit il commencer parler ak représentant haïtien et dit communauté a nan diaspora. Vous savez, je vais commencer l'interview avec Madame Frédéric pour me dire d'abord bonjour, bonsoir, bienvenue dans l'émission Point Rouge. Est-ce que, eh bien, Premier ministre Ariel Henry commence Chita parler avec Nyon? Premièrement, moi dis merci Josué Lexidor pour l'invitation pour nous faire un petit parler dans Point Rouge. Mwen men antre direktman, joun fèk anonsi anonsi Charnette Frédéric, se prezident National Haitian American Elected Official Network, NEON, ben, pou repon kèsyon anko, non, nou pa gen anken rapor avèk Dr. Ariel Henry pou mande pou fon chita koze. Men joun fèk sot anonsi avan, nou men an tanke organizasyon, nou kler parce ke nou fon sistem de c'est beau discussion pour nous te comprendre côté nous chita en tant que diaspora pour nous make sure que nous toutes en même temps au moins nous dit la majorité fait même bagarre et ben non mitan nian parce que 75% nan membres nous qui voter sous causer lettre là que qui t'en recevoir dit comme ça que yo pas d'accord soit faire militaire intervention en Haïti. So, ça veut dire que nous tous connaissons, si nous encourageons bagay comme ça, pas oublier millions de dollars pour dépenser pour yo bay moun sa yo, et en même temps, qui sa yo pralé fait vraiment, est-ce que yo genyon on le pour yo entrer, on le pour yo quitter, et comment cause yo yé? À cause gan pile cause kap coordonné pour faire intervention ça, c'est département pas clair vraiment comment cause yo pralé, et bien c'est une raison. Mon organisation et mettez chapeau bas de femmes tout femmes en action qui c'est une membre nous qui c'est Marlène Bastien commissioner Miami Dade District 2 qui fait partie executive director et ben ils te font appel avec Nian et nous-mêmes en tout ensemble et ben nous voyons 4 points qui importants. Premier point dit qu'on ça pas supposé gain militaire intervention qui t'a supposé aller en Haïti parce que nous connaît dernier 30 années ça qui t'est passé avec intervention ça qui t'est passé avec différentes maladies et comment il pas facile pour te quitter parce que pas de bon clair un agenda clair. Deuxième non comme nous connaît que docteur Ariel Henry de facto gouvernement yo toujours supporté c'est peut-être ça le penser que li capable faire une action
pour Haïti, j'en demande depuis en novembre ou bien décembre en 2022 pour yote fait intervention avec groupe ministre. Troisième bagaille nous mandé pour nous supporter établissement un légitime transitional government. Comme nous connaît déjà, il y a plusieurs accords, il y a plusieurs causes qui a passé en Haïti. Nous t'arrêtons ici, nous prenons en charge ça yo supposé faire et de là pour yo voir comment pour yo pral coordonner côté Haïti pralier. Là nous té ici dans dernier retraite que nous té fait, haïtien américain dit comme ça yo t'a remé ouais sécurité gouvernance avec économie en Haïti. Et ben gouvernance ça m'espère c'est haïtien qui ka faire pour compte lui. Quatrième bagaille nous mandé pour nous supposé bloquer et investiguer arm shipment qui a pris en Haïti, pas seulement en Haïti de Floride, mais tout de Floride à Dominican Republic. Pas oublier, nous, Sister City, depuis qu'il y a une mission qui entre de Floride avec Saint-Domingue ou bien de Floride avec Haïti, il y a un pile problème dans le pays. Eh bien, un pile cause à parler et nous avons continué de travailler pour nous voir comment nous sommes capables d'avancer avec la communauté pendant que nous attendons. Alors, et ça tombe bien parce que il y a un point où nous mettons dans l'état où nous disons non à l'intervention militaire. Alors, ce que nous sommes suivis là, alors nous allons parler de ça dans un segment nous là tout à l'heure. CNN a peine sorti un reportage là sur un ensemble d'actions malhonnêtes que ministre était quitté dans le pays, notamment maladie et viol, et pédophilie. Mais il y a un point essentiel que CNN mettait accent, c'est un ensemble de mères célibataires, un ensemble de mamans que agent ministériel quitté avec des timoun sous braille et puis yo viré de yo y aller. It's the most difficult and where we are having clear problems, we need to make sure that the fathers, when identified, and in many situations they are identified, assume their responsibilities. And for that, the countries need to do it through their legal systems. C'est ça, Josué. Comme nous connaissons, peut-être ça m'a dit nous, en tant que Nian, que nous voulons tendre frères et sœurs en Haïti, et pas seulement de rape, de pédophile, de maladie, j'en fais que ce dit. Est-ce que a bon solution vraiment? Pour qui ça? Parce que imaginez, est-ce que bon plan vraiment ou entrer qui sont pas sécurisés, pas oublier en pile moun sa yo qui ont ta dit qui nan gang sa yo, est-ce que yo même là yo nan gang nan y a sorti avec zam yo vraiment yo pral bata avec Kenyan, si c'est Kenyan qui pral vini, ou bien est-ce que yo pral cache non façon et puis là yo parti yo toujours là, toujours pas oublier nous toujours grand pen ça veut dire grand pile symptôme, mais qui cause problème nan? C'est une bagarre, nous espérer que communauté haïtien en Haïti chercher solution et prendre solution à cœur et puis pour contrôler gouvernance sécurité avec économique pays. Avant dernière question, eh ben gagne un sujet qui d'actualité là qui réunit tout haïtien et physiquement et de cœur, et c'est question canal que haïtien yo a fait dans Wanamet. Et est-ce que ni on au courant? Eh ben bien sûr nous au courant. Est-ce que ni on comptait participer ou bien est-ce que nous encourager mouvement ça qui lui-même son mouvement d'unité pour capable construire canal ça qui à long terme capable faire nous tourner vers l'agriculture? C'est ça. Pour nous-mêmes, en tant qu'organisation, nous pensons que c'est vraiment important pour le travail qu'a fait là. Les maps contrôlées, accord 1929, qui a dit que Haïti n'est pas supposé entrer dans le blanc pour faire aucune déviation, mais pas oublier si au même de bord dominicain qui t'en prend passer 11, l'essentiel pour nous-mêmes, bord côté en Haïti, pour nous faire ça, nous supposé faire, pas oublier sans de l'eau, pas gué manger sans de l'eau, ou pas capable de faire aucune agriculture. Mais une barre moi-même, en tant qu'une organisation, ça nous te voulait coordonner, c'est pas seulement parler, dire comme ça que nous d'accord, canal ça supposé fait, mais qui ça nous capable faire? Il y a un membre, nous, il y a
pasteur Woody Laurent. Mm-hmm. Nous avons partagé la vidéo ensemble avec vous. Il même pas oublié, c'est un pasteur que lié et il est un former elected official. Mm-hmm. Il fait appel à l'église. Qui ça nous a fait? Je pense qu'il a raise at least 6 000 $. Et puis de là, il pensait que nous allons coordonner pour nous coordonner avec Bissab pour nous avoir sécurité dans le canal. Okay. Pas seulement ça, mais même nous, en tant que nous avons fait une recherche en tant qu'une organisation, qui des ingénieurs que nous capables de collaborer et de là pour nous faire bagarre beaucoup plus long terme, pas mm-hmm. seulement garder de on bagarre que à l'intermédiaire, parce que nous même en Haïti parfois nous toujours penser un petit peu de coulier problème mm-hmm. dans coulier crise dans coulier, mais si nous pas qu'on goût cap penser dans le futur pour 10 20 30 ans pour faire yeah. un bon baritage, pour faire un bon canal et puis de là pour capable canaliser de l'eau en côté le bras aller comment on va le faire recherche et une bagarre nous connaît agriculture là l'eau c'est une mais pas bi au besoin et tout lieu ça veut dire besoin machine au mm-hmm. besoin bon bagage pour qu'à coordonner. Il y a une vidéo que m'tap gardé moi qui t'en fait appel avec monsieur ça pour parler avec nous en tant que niyan pour nous voir comment que nous capable mobiliser ensemble parce que moi même parler mais parler sans nous pas faire action. Nous mm-hmm. aimer parler avec action. Ça veut dire premièrement pas seulement canal là supposé coordonner mais comment que nous pas coordonner li non long terme. Deuxièmement continuer avec sécurité bon canal là pas bien pas pour sans raison les rivières ça rivière des massacres mm-hmm. parce que nous connaît qui ça t'est passé pour comprendre yeah. ça veut dire obligé pas capable penser que nous pas font bagarre et puis tout le monde a pas d'accord ou bien voyer monter comme ça c'est pas yo pas comme ça li important pour nous penser dans le futur et nion prêt si nous bien en ken bagarre que nous ta aimer collaborer avec nion faire nous connaître avant parti m'ta aimer dire on l'autre cause que nion a travaillé sur lui très très fort mm-hmm. chaque mois Biden administration voyer un avion aller en Haïti qui compris de 50 à 60 moun la donne. Mm-hmm. Et comme on était en dernière fois on était fait voyage ça Nyon te mette yon press statement dehors qui dit yon supposé suspend déportation en Haïti à cause de ça qui a passé en Haïti. Eh bien, n'a continué toujours. M'pense moi ça yon pral fait encore avant ça pral fait d'arrêter nous même dans média connaît que nous supposé pas seulement pour nous connaître que le pral fait, pas seulement pour nous lever camper et puis pas seulement ça tout pour nous make sure que nous fait tout le monde qui alors tout nous connaît que nous ka font différence les nous parler pour comprendre mm-hmm. Le squeaky get out the oil dernière fois m'te dit nous comme ça bagaille ka fait bruit je mettais l'huile là-dedans on nous fait bruit mais fait bruit avec spécification pour nous capable collaborer ensemble. Vraiment, et merci en pile, Madame Charnette Frédéric, pour intervention si là, et une judicieuse intervention. Et nous disons merci. Et puis, n'a pas gagné pour nous parler sur d'autres activités que Nyon a gagné pour entreprendre. C'est ça. Avant m'aller, qu'il y a nous dans CBC Congressional Black Caucus dans Washington DC, nous faisons pile rencontre avec sénateur Schumer, sénateur Menendez, avec toute l'autre autorité, spécialement dans New Jersey, Florida, Connecticut, de connexion que nous gagnons. Moi dis merci avec Faith and Action. Pabli en tant qu'élu, moi toujours aimé collaborer puis transparent. N'a pas continué le travail avec communauté pour dire nous avons force et nous capables de travailler ensemble. Merci. Merci un peu, Madame Frédéric. Voilà, c'était Madame Frédéric Charnette qui elle-même c'est présidente Nyon, une organisation qui regroupe un ensemble d'élus qui eux-mêmes d'origine haïtienne ici aux États-Unis.